message nous yo arrivé dans diaspora. Et moi crois que le pays a traversé une période extrêmement difficile. Une période extrêmement difficile avec le pouvoir politique, le pouvoir de Jovenel Moïse, un pouvoir que le peuple a rejeté, un pouvoir que le peuple a vomi, mais que la communauté internationale a supporté jusqu'à présent. Et pouvoir ça, Jovenel Moïse, PHTK a tellement aimé le pouvoir, parce que c'est pouvoir ça qui fait qu'il n'y a pas de prison déjà. C'est pouvoir ça qui fait qu'il pourquoi arrêter les gens qui volent les portes de Caribe. C'est pouvoir ça qui fait moun qui fait massacre la saline yo pour en bacode. C'est pouvoir ça qui fait assassin yo a marcher dans figure moun toujours yo même pouvoir ça. Et Jovenel Moïse choisit fait tout ça capable pour gagner pouvoir parce qu'il connaît il fait tout temps sous pouvoir. Jovenel Moïse fait tout temps sous pouvoir mais mon latrine il pas fait dans pays là. Le bilan est catastrophique. Nenel Kassi sur le bilan économique, social, PHTK. Je vous dis, c'est 120 gouttes pour un dollar. Moun ne peut pas manger, moun ne peut pas voir petit de l'école. Moun ne peut pas capable de payer caille pour dormir, pas de sécurité. Et je venais aller plus loin, je vous dis. Organisation de Wamounio sorti rapport. RNDDH sorti un rapport. Et dans le rapport RNDDH, là, nous constatons, nous, avec deux gènes en tête, nous, que c'est Jovenel Moïse qui fait une alliance politique avec des groupes armés assassins qui participent dans le massacre La Saline, massacre Belay, qui a assassiné le peuple là, assassins qui a violé petit peuple là dans le pays là, assassins qui a volé sa population en gagnant, qui a pris le caïmoun, qui a fait kidnapping. Jovenel Moïse fait une alliance avec eux pour le capable de gagner le pouvoir. Contrôler quartier populaire pour empêcher le peuple à sortir, à le manifester, à le faire mobilisation. C'est ça nous constater. Et nous constater, bagaille a tellement allé loin. Il y a une machine, la police, qui participait dans le massacre du peuple dans Tokyo, dans Cité Soleil, sorti 27, disons sorti 23 mai, pour arriver 27 mai 2020. Dans le rapport NDDH, il dit nous, le jour qui était 26 mai, il y a 5 machines blindées de la police. Qui était ensemble avec Barbecue, Jimmy Cherizier, ancien policier qui participait dans le massacre à Saline, il y a 5 machines blindées de la police qui étaient accompagnées, monsieur, dans le massacre de Mountain Rouge, massacre de Mountain Rouge, Jérémy, massacre de Tokyo dans la Cité Soleil. Et à partir de ce moment, nous disons que le directeur général de la police nationale d'Haïti doit assumer ses responsabilités. Monsieur Jude Joseph, qui est le président du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. Il doit assumer ses responsabilités. Ministre de justice, de facto, qui a marché radoté. Moi, dit à partir de ce moment, Moun Sayo, il y a des responsabilités, il faut assumer les responsabilités. Ministre de justice, qui a marché radoté dans la radio toute journée, qui va rien pour le faire, qui va comprendre rien dans la justice. Il n'y a pas comprendre rien. Il quitte le président, libère un bande de monde qui est condamné dans le kidnapping, dans l'enlèvement, dans l'assassinat. Cela veut dire qu'il ne connaît pas son job. C'est un incompétent. Et même au PC, qui fait partie du pouvoir de l'État, il dénonce ça qui passe. Que vous prenez des décrets pour mettre en liberté des criminels, des assassins qui ont l'enlèvement qui tue le monde. C'est l'incompétence flagrante et avérée du ministre de la Justice. Parce que le ministre de la Justice dans tout gouvernement, c'est le premier conseiller du président et du premier ministre en matière de justice. Seul ça qu'a fait, c'est marcher à dos dans la radio, descendre canal El Kassi Gressier, à la radio, j'ai fait un fait. Mais vraiment, ce type, il est con, il est bête, il ne comprend absolument rien. Cependant, nous redisons et nous insistons que le directeur général de la police, le premier ministre, Moun sa yo gen responsabilité pour yo expliquer population sa passé. Qui est-ce qui t'a conduit machine blindée sa yo, qui t'a accompagné assassin yo, dans massacre population en Cité Soleil, massacre population en Wav Jérémy Pont Rouge, sorti 23 mai ou 27 mai 2020. Qui est-ce qui t'a conduit machine sa yo? Qui est-ce qui t'a baillé l'ordre pour machine sa yo sorti?
qui policier qui était dans la machine ça yo, nous donnons, nous accordons un délai de 22 jours au directeur général de la police et au premier ministre pour conduire cette enquête et déterminer exactement ce qui s'est passé dans le moment ça pour venir dire population ensemble. Faut venir dire nous ce qui s'est passé. Et si délai ça a passé, directeur général de la police, premier ministre, même parler de radoteur ou ministre de justice là. Si 22 jours passés, yo pas venir dire nous qui s'est passé, nous même dans le secteur démocratique là n'a pas considéré ni premier ministre, ni directeur général de la police, ni ministre de justice radoteur, n'a pas considéré tout le monde ça yo, yo fait partie de gang barbecue, yo fait partie de Genève là, yo fait partie de criminels cap marché assassiner le peuple dans le quartier populaire et n'a porté plainte contre eux pour association de malfaiteurs, n'a porté plainte contre eux parce qu'ils ont assassiné le peuple là, ils ont touillé la population dans le quartier populaire. Je dis la bataille est claire. Ce n'est pas seulement une bataille entre pouvoir et opposition. C'est clair, je dis. Il s'agit d'une bataille pour faire respecter la Constitution. Il s'agit d'une bataille pour réussir la transition qui est devenue inévitable parce que l'éclair, pas de jambe d'une élection avec Jovenel Moïse comme président. Pas de bagaille comme ça. Faut que l'élection soit faite dans 3-4 mois. C'est impossible puisque son mandat constitutionnel prend fin le 7 février 2021. Faut que l'aller. Si le peuple n'a pas de temps, shooter derrière. Alors à partir de ce moment, il faut un large front patriotique pour faire respecter la Constitution, il faut ce large front patriotique pour définir le contenu de la transition, pour organiser cette transition et pour réussir cette transition. Et sur, la question ça, secteur démocratique là, quoi, faut gagner discussion, faut gagner débat qui fait dans la société pour nous capables de réussir la transition. Définir transition hein, et organiser transition hein, et débat ça. Il faut que c'est tout le monde qui pour la donne, nous pas capable de mettre personne monde sur le côté. Et nous capable de dire que le secteur démocratique là, avec un peu l'autre groupe politique déjà adressé, on l'est ouverte au secrétaire général des Nations Unies pour nous dire voilà la situation. Et que ça, madame Lalim, te dit qu'il fait le faire rapport devant le Conseil de sécurité à 19 juin 2021. Ça ne pas correspondre à la réalité. Hein? La réalité, c'est que le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. La réalité, c'est que Jovenel Moïse a gangstérisé le territoire. La réalité, c'est que Jovenel Moïse est un chef d'État rejeté par la population. Il n'a pas de crédibilité pour le conduire aucune réforme constitutionnelle. Et que même si le peuple a voulu une nouvelle constitution, c'est le gouvernement de transition hein, qui nous fait ça. La réalité, c'est que la transition est devenue inévitable. Et la communauté internationale aujourd'hui a la responsabilité d'accompagner le peuple haïtien pour réussir cette transition qui doit mener nous dans l'élection crédible. Les moments vont arriver qui doit permettre de nous changer la constitution, hein, qui doit permettre que nous faire pour ces peuples caribés, nous faire conférence nationale haïtienne souveraine. Nous faisons une bataille pour nous mener ensemble, pas de monde qui doit rester sur le côté. Et je dois féliciter les maires de l'opposition, magistrats qui font partie de l'opposition, notamment le maire de la Croix-des-Bouquets, le PDG de Radio Sénité FM, M. Ronny Collin, le maire de Port-au-Prince, magistrat Belader, magistrat Saint-Marc, magistrat Mion-Balais, qui comprennent que le mandat est fini. Magistrat Benet, c'est un ami. D'accord? Qui comprennent que le mandat est fini et ils n'ont pas décidé de rester, continuer à liquider affaire courante parce qu'ils n'ont pas voulu Jovenel dire c'est lui qui fait une faveur pour y arrêter. C'est une décision courageuse. C'est une décision historique. Parce que dans le pays, ça, garçon avec femme tellement aimé job, c'est pas facile pour le monde accepter, comprendre que le mandat fini et faut qu'il quitte pour faciliter le jeu démocratique. Parce que si pas de magistrat qui est élu pour remplacer eux, si pas de parlement, c'est la responsabilité du chef de l'État. C'est lui-même qui a responsabilité pour faire élection dans le pays. Alors voilà la situation. Peuple a un problème, quand il
peuple a besoin de manger, population a besoin de caille pour dormir, population a besoin de route, peuple a besoin de sécurité, peuple a gain toute qualité problème, institution est écrasée, nous avons tout problème ça yo. Et puis seul ça qui intéresse le journal, c'est marcher, prendre décret à droite à gauche, nous n'a décrété la décrété définitivement. Ce type il est malade. C'est comme on est qui va gagner la fin. Comprenez? C'est comme on est qui va gagner la fin. Et puis chaque jour levé dans le palais, elle a signé un décret. Elle a quitté l'Ipan faire signer ma propre. L'autre pour faire le signer un certain. Qu'on y a la fait décret pour que sur ma Sissi, ma divine. Bon, vraiment, dans le secteur démocratique là, nous sommes un groupe ouvert. Nous n'avons pas de problème avec les gens qui choisissent, fait ma Sissi, fait ma divine. Ils ont le droit de choisir leur orientation sexuelle. Si Jovenel Moïse voulait continuer à faire ma Sissi, c'est son affaire personnelle. Si Mathilde Moïse voulait faire ma divine, franchement, cela ne nous regarde pas. Mais, il n'y a pas besoin pour une loi pour ça. Il n'y a pas besoin pour arrêter pour ça. Bref, c'est pourquoi je dis. Je dis avec sincérité. Et c'est pourquoi je dis avec gravité, avec franchise, que je dis à nous lançons un appel à la responsabilité et à la mobilisation de tous les secteurs de la vie nationale. Parce qu'il y a un capitaine qui déraille, un capitaine qui combat en main, qui par contre ça pour le faire. Vous sentez Jovenel fou, il est malade, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bref, il faut une mobilisation dans tout le pays. Côté pasteur, ouais, côté fidèle, côté père catholique, côté monseigneur. Côté jeune, côté femme, côté monde, c'est nous tous ensemble qui devons mobiliser pour faire respecter la Constitution et pour nous définir ensemble qui ça doit faire en transition. Parce que définitivement, le cas des Jovenel, on est dans la guerre longtemps, parfois on ne peut pas démarrer le bac deux fois, même terrain mal gardé, coq à bataille. Nous sommes un coq qui va le courir. C'est-à-dire que son coq a fait des fois bête, etc. Mais à la vérité, son coq qui va le courir. Ça veut dire que pas prêter longtemps. Alors, le coq qui va le courir, il est déjà agressif. Ouais, elle a fait quelques becs sous là, sous capon, puis te garder à voler. Jovenel Moïse, secteur démocratique, la pape qui te bataille là pour. Ou son corps qui va le courir, ou pas qu'à bataille encore, peuple a rejeté, et désormais vous appartenez au passé. L'avenir est à nous, l'avenir est aux jeunes, l'avenir est aux femmes, l'avenir est aux paysans, l'avenir est à la diaspora, l'avenir est aux couches populaires. C'est job ça à nous gagner aujourd'hui. Et les nous gars déjà, monsieur, gérer le pays, il y a tout bagaille ouvrir. Aéroport ouvri, factory ouvri, tout bagaille ouvri, il y a fait carte électorale. Seul bagage que vous n'avez pas voulu ouvrir. C'est espace de liberté publique. Yo. Parce qu'il pas voulu faire manifestation dans le pays. Il pas voulu faire sitting. Bref, on ne peut pas accepter ça. Jovenel Moïse devient définitivement un danger pour la démocratie, un danger pour le pays. Et nous devons nous débarrasser de ce capitaine qui ne comprend absolument rien le plus vite possible. Et c'est dans ce sens-là, secteur démocratique, la débarque, conférence de presse, ça. Pour adresser à peu près ici. Hein? Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé avec la population. Et désormais, ici, on le redit encore, c'est le local du secteur démocratique et populaire. C'est là que nous allons continuer à mener toute bataille. Et puis, sous question 4 des malheurs, là, Jean et Eric Assotili, si à chaque monde veut arrêter pour 4 des malheurs, il va faire le grand peuple là. Parce que nous, nous allons faire. Ça veut dire, si on est. Soit un policier, c'est l'autre monde dans la population qui cherche pour l'arrêter, c'est Capon. Dirigeant secteur démocratique, là, pas fait 4 des malogues. J'avais dit, si on besoin arrêter, c'est moi pour arrêter. C'est dirigeant secteur démocratique pour arrêter, il ne va pas faire. Il n'y a pas rien qu'à faire. Voilà le défi qui est lancé à ces lâches qui dirigent le pays aujourd'hui. Quand on va chercher mon après 120 jours, nous ne pas faire. Nous, pas foutre faire. Bon, viens prendre.